Et bonjour à tous et bienvenue sur la Gata TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur le jeu Gears 5. Donc Gears 5 est un jeu de tir à la troisième personne développé par The Coalition et édité par Xbox Game Studio. Le jeu avait été annoncé lors de la conférence Microsoft de l'E3 2018, il est sorti le 10 septembre 2019 sur Xbox One et Windows. Et c'est le sixième opus de la franchise Gears of War. Donc le jeu est jouable en solo et en multijoueur, mais actuellement j'ai quelques soucis avec le multi, je passe par Steam pour y jouer, mais il me dit que je n'ai pas de connexion internet. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à régler le problème, mais ce n'est pas grave. Donc le jeu a été développé sous Unreal Engine et je pense que c'est un peu tout pour la présentation. Donc là je joue comme je vous l'ai dit sur PC sur la version Steam. Donc là je joue avec le pack HD. Donc comme vous voyez les graphismes sont magnifiques. Donc, hop, donc là il y a un temps de chargement un peu long. Donc je joue au clavier et souris. Ça me permet d'avoir une meilleure amplitude. Généralement les FPS je n'y arrive pas avec une manette. Et voilà, donc ça fait plusieurs fois que j'essaye de faire la vidéo car j'ai eu quelques petits soucis avec les voix en jeu qui ne s'affichaient pas. J'ai eu le même souci pour F1 2019. J'ai réussi à régler le problème pour F1 2019, mais je ne sais pas si j'ai réussi à régler le problème pour Gears 5. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Bon, le temps que ça charge, on fait une petite ellipse, on se retrouve sur le menu principal du jeu. A tout de suite. Et on se retrouve sur le menu principal du jeu. Donc comme vous voyez là, il y a connexion en cours, mais ça va me mettre hors ligne. Ce n'est pas grave. Donc le jeu dispose d'un mode campagne, d'un mode bataille, d'un mode fuite, d'un mode horde, plusieurs modes. On a aussi le camp d'entraînement, on a le marché, des bonus. Donc les bonus, on peut faire un test de performance, on peut voir un peu ce qui s'est passé précédemment dans Gears of War. Et aussi un peu ce qui concerne l'univers. Mais bon, là, ce qui nous intéresse, c'est de lancer une nouvelle campagne. Et c'est parti. Donc, pacte 1, difficulté intermédiaire, sachant que je joue en full ultra. Donc, moi, ouais, c'est parti. On va lancer la partie. Donc, si ça vous intéresse, pourquoi pas faire tous les Gears of War du premier jusqu'au dernier. Franchement, moi, ça me brancherait bien, sachant que je n'y ai jamais joué. Précédemment dans Gears of War. Avant, on protégeait les camps de la CGU, et là on en attaque un. Les étrangers sont forts pour ça. Lieutenant, ça faisait longtemps. Le village n'a plus d'électricité depuis des semaines. Il nous faut le fabricator. Je me contrefous de ce fabricator. Vous me prenez mes gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais court, la CGU va pas tarder. Vous m'aviez promis que vous voleriez le fabricator sans provoquer Jean. Ça a rien à voir avec le fabricator. Alors, vous avez fait quoi? Jean nous a accusés de kidnapper des gens. Je sais pas ce qu'elle racontait. Amenez le fabricator dans la centrale et installez l'inverseur. Jean reviendra, j'espère que tu le sais. Il faut partir, vite! Maman! Kate, écoute, tu dois te cacher et après tu dois t'enfuir. Écoute, tu sais tout aussi bien que moi qui peut nous aider. Notre village s'est fait attaquer. Et ma mère s'est fait enlever. Enlever? Pas, je crois que tu devrais regarder ça. Merde. Les gars? Dylan, tu m'as dit que c'était pas la CGU qui comptait. Ouais, mais ça, c'était pas tout à fait vrai. Faut traverser le fort et atteindre la mine d'osmium abandonnée de l'autre côté. Parce que la CGU y a acheté quelques milliers de cadavres de locustes après la guerre. Alors si votre vermine est liée à toutes ces larves, c'est là-bas qu'on le saura. Je suppose qu'on devra se débrouiller seul. Merde!
Mon père est vivant et il est là-dessus, ok? James, dans la cosse, je pouvais voir tout leur réseau. C'est toute leur ruche à la con. Et tout est connecté. Les locustes, ils sont jamais morts, James. Kate, ta mère, est vivante. Où est-elle? Hé, j'ai vu qu'ils la traitaient pas comme les autres. Pas de cosse. Si vous me libérez, je meurs. Ça va aller. Elle voulait te confier ça. C'était à ma grand-mère. Je l'ai jamais connue. Et voilà, on a vu un peu tout ce qui s'est passé dans le précédent opus, mais je ne peux pas trop vous en parler car, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais joué vraiment à la saga Gears of War. J'ai dû jouer au 3 il y a un petit moment de tout ça, mais voilà, j'en ai plus trop de souvenirs. Mais bon, je vais vous laisser profiter de cette dernière petite animation et on se retrouve in-game juste après. Kate n'est pas prête pour ça. Elle peut à peine garder les yeux ouverts. Ne t'en fais pas pour elle. Elle peut le faire. Ok. On est presque aux coordonnées de Baird. Bienvenue à Azura. C'était quand la dernière fois que t'as dormi? Cette nuit, environ 8 ou 9 minutes, ouais. Des cauchemars? Ça passera. Tu finiras par t'y faire. Ok, voyons ce qu'on a. Allez, on se prépare pour le largage. Bon, qui saute en premier ? En tout cas, ce sera pas toi. Del, je vais bien, d'accord? Ouais, c'est ça. Oh, merde. Merci, Del. Sam, on va descendre. Bien reçu. On vous attend ici.
Allez, à toutes. Hey, Dave, tu t'amènes ? Et voilà, on se retrouve in-game. Contrôle ? Sérieusement ? J'ai un nom. Contrôle. Les règles sont les règles, merde. Enfin, contrôle. Et on en enfreint suffisamment comme ça. Jean peut rien dire si elle n'est pas au courant. C'est à moi de décider, ok ? Et si j'appelais pas à la première ministre, elle peut me passer un savon. Ce qu'elle fera sûrement. Dis-nous juste où aller, contrôle. Je vais faire de mon mieux. Et n'oubliez pas que personne n'a mis les pieds dans cette installation depuis 25 ans. Ouais, c'est plutôt évident. N'êtes pas là pour vous promener. Vous devez lancer un vieux prototype de rayon de l'eau. Et d'après tes infos, un des silos est intact, c'est ça ? Ouais, on dirait. Emmenez Dave dans une salle de contrôle opérationnelle. Il gérera la séquence de lancement. Et voilà, on est arrivé pour la première mission. Et comme vous pouvez le voir, franchement, c'est sublime. C'est rare que je joue à des jeux avec une aussi bonne qualité. Regardez-moi cette eau. Franchement, rien à redire là-dessus. Bon allez, faut que je reprenne l'automatisme des Gears of War, vu que le gameplay est particulier. Allez. On va explorer un peu tout ça. Et j'ai mon chat qui est en train de faire la fête juste derrière moi. Donc là, on a Dev qui nous éclaire. Il y a un immense cimetière locuste sur cette île. S'il est clos, on sera submergé par la vermine. Tu parles d'une façon. Ouais, mais si on arrive à lancer ces satellites... Oh. Hé, hey, attention ! Non, merde ! Oh la vache ! Oula, ils ont tout cassé ! Comment on est censé explorer un endroit qui s'effondre ? Et vite ! Venez, on peut suivre cette corniche. Allez, on va continuer en suivant cette corniche. C'est un satellite d'ici, il me semble un peu mal foutu. Ouais, Baird est un spécialiste des plans foireux. Comment Baird a su qu'il y avait un satellite du rayon ici ? C'est grâce à mon père. Avant de mourir, il a confié quelques-uns des secrets de la CGU à Baird. Et cette île, elle en est truffée. On récupère les munitions. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a le lanceur. Enfin, le lanceur. Qui est la mythique arme avec la petite tronçonneuse dessus. On a le destructeur, donc le fusil à pompe. On a un petit pistolet et on a les grenades. Je m'attendais pas à ce qu'il reste des corps ici. On est vraiment très peu à être venu d'Azura en vie. On prend les munitions. Là, il n'y a plus rien. On passe à travers. Et on va mettre un petit coup de tronçonneuse. C'est bon, allons-y. Faites gaffe, il y a encore des éboulements. Oh, c'est bien foutu. Surprise. Dave, envoie une impulsion pour qu'on sache à quoi on a affaire. Comment tu veux qu'il m'occupe ? Je m'occupe de lui. On va essayer de le faire en mode furtif. Là, il y en a un qui est juste là. On va attendre qu'il se tourne. Mais bon.
on va pas attendre. Attention à l'explosion. En haut sur la gauche, flanquez-les. Il a l'air mort. Encore des drones. Oula, j'ai pris cher là. Il en reste plus qu'un. C'est bon, on les a tous eus. Allez, ça c'est fait. C'est on récupère des munitions. Le juste d'Azura est actif. On peut pousser les choses, c'est plutôt bien. En espérant que la vermine ne les ait pas tous détruits. Allez, hop. Je vois des munitions. On recharge. On peut pousser certaines choses. Allez. Ça va, d'accord. On doit trouver le silo. D'accord. Ouais, non, elle va pas bien du tout. Allez, on avance. Il y a trop de ruches actives. Partout où on va, c'est un nouveau cimetière. Raison de plus pour réactiver le mur globe. Espérons que Jean soit du même avis. Oula, on en a un gros qui arrive. On l'a explosé. Ça, je ne sais pas c'est des munitions de quoi. Ils sortent de ce nid. Faut lancer une grenade là-dedans. J'en ai eu un. Le nid est détruit. Allez, on reprend la petite mitrailleuse. On va prendre le fusil à pompe. Oula, là ça craint. J'en ai eu un autre. Elle l'a fini comme il faut. Allez, on récupère les munitions. Les gars, on est dans un silo. Merde, on a trouvé un des silos, mais il est en ruine. Eh bien, il en reste encore deux. Et là, le est opérationnel. J'espère que t'as raison. On a déjà mis fin à la guerre une fois sur cette île. Quand on aura déployé le satellite, on pourra recommencer. T'as tout compris, mon pote. Terminé. Bon, impossible d'aller tout droit. Qu'est-ce qu'il reste de cette base au juste? On va le découvrir. Prenez à droite, nous on va à gauche. On va trouver ces silos. Ça marche, mais on reste en contact. T'es sûr de ton coup? Il y a deux silos, il y a deux chemins. T'as une meilleure idée? Allez, on va aller à droite, on va les laisser aller à gauche. Dave, impulsion. Bien sûr, je n'ai pas été jusque là, donc je ne sais pas trop ce qui va m'attendre. Dale, la trappe, saute.
tunnel d'échappement. Mais est-ce qu'il sort d'ici ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Des rejetons ! Descendez ! Allez, mes petites saloperies. Ils sont passés où ? Il y en a d'autres ? Allez, on s'arrête pas. Oh, il m'est tombé dessus, lui. Les avoir. Après, ça va, ils sont assez simples à tuer. Il se rapproche, il se rapproche. Touché, toi. Ah, oh, ils explosent c'est comme bon, des merdes, c'est horrible. Maintenant, trouvons un moyen de sortir d'ici. Ok. C'est quoi la différence entre eux? Ça, c'est parce que c'est un ancien, d'accord. Bien, cette porte nous permettra de sortir. Allez, on récupère des munitions. Dave, tu peux l'ouvrir ? Eh, tu sais quoi ? S'ils veulent transformer cet endroit en ruche, qu'ils le fassent. C'est une île isolée à des centaines de kilomètres de la côte. Faut juste s'assurer que ça arrive une fois qu'on sera parti. Tu vois, dès allez, on y va. C'est parti. Tu parles d'un silo. Non. Hop là. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde. James, on est au-dessus de vous. Je vous vois. On pourra vous couvrir de là-haut si jamais ça se complique. Dis-nous juste où tirer. Allez, on va s'approcher un peu. Hop là, lui, je lui ai explosé la tête. Neutralisé.
Attention! Rapport! Petite ellipse pour vous prévenir que je suis obligé de faire une coupure à cause d'un petit souci d'enregistrement. Je suis obligé de faire la vidéo en deux parties. Le jeu a crash et je me suis retrouvé avec une image bloquée, je n'avais plus le son. Donc je suis vraiment désolé pour cela et je vous laisse continuer avec la vidéo. Et voilà, on se retrouve, j'ai récupéré le son, j'ai réglé le problème. Oui, il m'a quand même mis cher lui. Hop là. Oups. Ils sont trop loin. On y va avec le pétoir. Allez, on va essayer de se les faire. Je l'ai vu. Oh merde, un transporteur. Ouh, c'est quoi ça? On a besoin de ces renforts tout de suite. Votre commandeur est presque à portée, Delta. Ok, petit, les renforts arrivent. Je suis gardien des DR1. Tu veux quoi? Personne de réaction est maintenant sécurisé. Nous vous remercions pour votre aide. Et contrôle, le transporteur est mort. Merci pour le coup de main. Deadbot, y en a un qui sécurise la zone et l'autre qui vient avec nous. Allez! Bien reçu. Oh, je les kiffe, ces petits robots. Allez, vas-y, Dave. Waouh, Delta, pouvez me dire ce que Dave a fait? J'ai reçu un tas de données bizarres. Du genre top secret. Oh. A priori, il est en train d'ouvrir une porte. Il fait bien plus. Mais en tout cas, la porte est ouverte. Merci, Dave. À propos des données que Dave a téléchargées, une partie des éléments les plus confidentiels a disparu. Ça a un rapport avec notre mission? Non, mais je dois savoir où sont ces infos. J'imagine que ce qui manque a été retiré du réseau. Qui aurait le droit de faire ça? En ce temps-là, uniquement le commandant de l'installation. Trouvez son bureau et jetez un œil.
Ok. Wilco? Allez. Salut, l'environnement. L'inexion d'une ancienne technologie inférieure de la CGU. Oh, sérieux, ça se fait pas. Merde. Un Sion! Devbot, sur lui! Affirmatif, lieutenant. Restriction imminente. Eh merde! Oh, il lui a explosé. Ouah, c'est quoi les trucs qui lancent? Allez, on vise la tête, on vise la tête. Allez, on va bientôt l'avoir. Et voilà. Oh, c'est quoi son machin? Hey Dave, rapporte. Découpeuse disqueuse. Oh, oh, oh. Oh, j'adore. Fou, violent. Oh, j'adore. Ça y est, c'est fini. Maintenant, trouvons ce bureau. C'est censé ressembler à quoi, le bureau d'un commandant? J'en sais rien. J'imagine une grande porte avec une plaque et commandant écrit dessus. Ouais, bien sûr. J'aurais dû y penser. Del, le bureau du commandant est par là. Mais la porte est fermée. Normalement, on va pouvoir... Comment faire? Je vois pas comment faire là. Il y a peut-être un mécanisme de déverrouillage là-dedans. Il faut juste faire entrer des. Ah d'accord là. Dans ce conduit, va voir où il mène. Bon, Baird veut les données manquantes, c'est ça? C'est censé ressembler à quoi? Bon, et ben si on les a extraites du réseau, elles doivent être sur une sorte de disque dur externe. Bien joué, Dave. On y est, le bureau du commandant. Faisons le tour. Un coffre. Bonne plante pour des données. Dave, ouvre ça. Te voilà. Hey, Control, bonne nouvelle. On a trouvé le disque dur. Bien joué, Delta. Hey, vous savez ce qui nous ferait plaisir? Quoi? Vous êtes où? Le silo! On l'a trouvé! Et on est encerclé! Ah merde! On arrive! Allez, on va aller les rejoindre, on va les aider. Avec la bonne disqueuse. Allez, on y va comme ça. Est-ce que j'ai moyen d'aller récupérer le machin? Non.
C'est pas grave. Ouh, sa tête a explosé. Hop là. C'est plutôt bien ça. Ouais, non, j'arrive pas à le maîtriser là. Ok, faut vraiment que je sois prêt. Je vais aller récupérer le fusil à pompe. Ok. C'est bon. La salle de contrôle est dégagée. C'est sympa d'être venu nous voir. Oh, pas de problème. La fusée est intacte? Elle l'est, qu'on croit ou non. Bien. Trouvez un port pour que Dave se connecte. Si ça fonctionne, il amorcera le lancement. Là, il va pouvoir se connecter ici. À toi de jouer. Contrôle, on y est. Tu peux lancer la séquence. Niveau 1 pressurisé. Lancement initié. Delta, on a un problème. La trappe du silo, elle s'ouvre pas. Évidemment. Je savais que c'était comme par hasard. Merde, les options. Tirez-vous, les pentes planées vous protégeront pas de l'explosion d'une fusée. Ok, alors on annule. On bouge. Alimentation hydraulique externe activée. Non, on va ouvrir cette trappe. Qu'est-ce que tu dis? Écoute ton père, petit, vous pouvez pas rester là. On a accepté la mission, alors on continue. Test de mise à feu. Et on a de la compagnie. Mise à feu, moteur 1. Merde, James. C'est la dernière fois que je te suis comme ça. Ouais, ouais, on dit ça. Allons ouvrir cette trappe. Alors, c'est quoi le plan? Je sais pas. Il va y avoir des commandes manuelles en haut. Trouvons un moyen de monter. Oula. Mais passe pas devant comme ça, toi. Lui, il a pas fait long feu. Là-haut. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Allez, on le finit. On récupère les munitions.
trouver. Les rejetons sont partout. Sec, canard de bien. Ça a dû faire mal, ça. Oh, merde. Allez. Lancement dans 15 secondes. On y va. Vite. Lancement dans 10 secondes. Vite. On n'a pas le temps, allez. Appuie. Non. Non, Dave. Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est juste un robot. Mais c'est pas sa faute. Je te tiens. Décollage. On aura tout vu. Sam, on est prêt pour l'extraction. Ouh, papa pas content. James, et si je parlais à Jean d'abord? Histoire de calmer le jeu avant que tu la briefes. Ne me dis pas que le sergent Phoenix est devenu diplomate. Appelle ça comme tu voudras, seulement on est en guerre, même si ça se voit pas encore. On doit être sur la même longueur d'onde. Oui, c'est sûr, enfin, si tu penses que c'est mieux. Vas-y. J'aurais apprécié que tu sois aussi coopératif quand on était au silo. Ça a pourtant marché, non? Écoute-moi, James, un conseil. Arrête de vouloir être le meilleur. Ne fais que ton boulot. Papa, j'ai pris un risque nécessaire. Nécessaire, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre option. C'était pas nécessaire. Et tu le sais. Qu'est-ce qu'il te voulait? À ton avis? La même chose que d'habitude. Hé! Hey. C'est juste qu'il tient à toi. Pourtant, j'ai bien l'impression qu'il tient beaucoup plus à toi qu'à moi. Ok, ouais. Bon, nous, on va à l'intérieur. Viens, Dave. C'est dégueulasse de dire ça. Ouais. Désolé. Tu sais, vous vous ressemblez bien plus que tu ne veux l'admettre. Je ne sais pas si c'est vraiment un compliment, ça. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo découverte. Ça fait déjà une très grosse vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite découverte en ma compagnie. Le jeu est magnifique graphiquement. Niveau gameplay, c'est comme les autres Gears of War, donc le gameplay ne change pas énormément. C'est assez maniable, franchement rien à dire. J'ai quand même bien apprécié. À mon avis, je vais continuer pour savoir la suite, car là, ça me titille, je veux en savoir plus. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.